Bonjour, donc suite à une discussion avec une élève, petit tuto vidéo pour vous montrer comment il faudrait que vous vous connectiez sur Pronote, enfin dans le cadre de la remise à niveau Python. Alors je suis ici sur la fiche de cours que j'avais faite la semaine dernière. Vous avez des liens qui ne nécessitent aucune connexion. Là, la chaîne YouTube, elle est publique, je clique dessus, je regarde les vidéos. La vidéo que je suis en train de faire, je vais la mettre dans cette chaîne d'ailleurs. Toc. Si je clique par contre sur d'autres liens, par exemple celui-là, le salon, c'est un chat de Google et ça s'appuie sur le domaine Nanterre Atlantique. Donc pour accéder à ce salon-là, ben, vous devez vous connecter avec votre adresse Nanterre Atlantique. Donc si je clique sur ce lien-là, il me dit que ce compte n'a pas accès à Google Chat. Vous avez déjà un compte G Suite. Vous n'avez pas de compte G Suite, donc vous avez déjà un compte G Suite. Je ferai ça. Et puis je ne sais pas trop où ça va m'amener, donc je vais faire autrement. Alors voilà, ce qu'il faut faire, ça serait plutôt ça. Je vais ouvrir une navigation privée. Donc là, c'est une navigation privée, et puis je vais me connecter sur mon compte. Je vais par exemple aller chercher mon Drive. Drive, bah, d'ailleurs, c'est comme le problème s'éteint. Ok, je vais aller dans mon Drive. Drive, hop, je fais une recherche, je tombe sur Google Drive, j'accepte. Donc la navigation privée, hein, j'ai pas de compte. Donc là, je vais saisir mon compte Nanterre Atlantique, hop, et je saisis le mot de passe, c'est bon. Donc moi j'ai activé la validation en 2 étapes, donc je réponds à mon téléphone, oui c'est bien moi, toc. Ceci étant fait, je vais maintenant, donc là maintenant je suis connecté en tant que Pierre Troulet dans ma navigation privée, dans mon navigateur Chrome. Donc là si je prends un autre onglet et si je fais RIFL Pronote, je m'en vais hop, prendre ce lien-là, je vais cliquer sur accès Pronote. Et là, je vais prendre mon profil prof que je vais devoir taper. Et je m'en vais retrouver ma petite fiche de cours de la semaine dernière. C'était celle-là, cahier de texte. C'était celle-là, hop. Et vision élève. Toc. Donc c'était celle-là. Et maintenant, alors maintenant si je résume, j'ai un navigateur, navigation privée, donc il n'y a pas de compte associé. Sur un onglet, je me suis connecté avec mon compte Nanterre Atlantique. Et maintenant, donc ça se voit parce que c'est là. Et puis maintenant, si je clique sur ce lien-là, hop, j'accède directement au chat. En tant que Pierre Troulet, Nanterre Atlantique. Et le chat, ben, c'est celui-là. Pof. Accessoirement, il n'y a toujours que 8 membres. Donc je ne sais pas si cette vidéo enfin, vous facilitera le travail, mais en gros, prenez donc une navigation privée, d'autant plus si vous avez une adresse Gmail perso pour éviter qu'il y ait des confusions. Donc moi, je prends ma navigation privée, je me connecte tout de suite sur Nanterre Atlantique, et puis après, je vais sur Pronote et je peux suivre tous les liens indiqués dans le cadre de la remise à niveau Python. Voilà, fin de cette vidéo.